seul. C'est vraiment aussi simple que ça. On va pas se servir de ça, hein, de vieux trucs. On va en faire un nous-mêmes, une pure maison, voilà. Et nos maisons. Je vais prendre un petit cube noir. Et pas un noir, voilà. Un petit cube noir. Si on prend un rond blanc, n'importe. Mais noir, c'est préférence. Puis, vous laissez votre doigt sur rond pour modifier. Et vous prenez acteur de dimension, largeur. Vous faites ça. Vous mettez la taille que vous voulez. Profondeur. C'est pas profondeur, excusez-moi. Puis c'est hauteur et vous abaissez un petit peu. Et puis c'est bon, vous avez là votre petit bureau. On a combiné, on accompagné. Alors mon animal de compagnie c'est Antoine, voilà. On a accompagné d'Antoine qui a une chaîne YouTube aussi. N'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne. Et là en fait, je vous conseille dans un des acteurs principaux, lol. Voilà. Alors pour faire le système, c'est très simple, vous devez un peu comme moi. Voilà, faites comme moi si vous voulez. Alors là, j'ai mon bureau tranquille. Il tient sur grâce au mur. Là, on va commencer à faire le PC. Pour prendre le PC, vous devez jeter les trucs militaires de Frosty Fly. Frosty Fly, je sais plus vraiment. Vous prenez l'écran. Moi, je vais prendre un écran comme ça. Alors, je vais faire un petit setup. Bonne. Pardon. Bien. Moi, je fais le décor. Vous posez un écran comme. Là. Alors, voilà. Entre décorations à faire, des petites décorations, vous prenez ça et tout. Alors, moi, je pourrais faire un setup comme ça parce que c'est plus stylé à la place de mettre trois écrans. Après vous pouvez mettre un cadre dedans, comme ça j'aime pas ce cadre. En fait c'est pas que j'aime pas, c'est que je vais essayer de trouver d'autres styles quoi. Évitez de mettre fixé sur la grille, je vous conseille de faire vous même comme ça, sans fixer sur la grille, c'est préférable parce que fixer sur la grille c'est plus pour les cubes. Quand c'est fait, ben, vous mettez vos fixés sur la grille comme vous voulez. Alors pour la chaise, je vous conseille de jeter les trucs de Paradise. Moi je vais prendre la chaise violet rose. Je kiffe le violet, le rouge. Ben, on va plus prendre les vieux. Ouais, on va prendre ça. On va pas vraiment se faire chier, hein, vous savez. Hop. On va faire ben, comme ça. Alors là vous avez votre petit écran avec votre chaise. Là on va s'intéresser plutôt à voilà ce qui fait, c'est assez stylé, un petit fond. Là on va chercher le fond vert, le petit fond vert sympathique. Moi j'aime pas vraiment les fonds verts, je sais pas pourquoi. Là vous le mettez comme ça, un peu reculer la chaise, voilà. Là on va s'amuser à faire la box pour les PC. Soit vous êtes pas vraiment un pro pour les cubes, vous prenez ça. Ou soit vous êtes un moyen comme moi. Pour les moyens, je préfère que vous faites comme ça. Moyen qui s'est déjà servir. Bon, ça va, j'ai d'entraînement. Vous prenez comme ça, faites ça, vous posez où vous voulez en dessous. Moi, je préfère poser au-dessus. Vous prenez ça comme ça. Vous prenez la petite lampe là. Vous faites rotation tangage. Non, excusez-moi. Roulis. Quand vous faites ça, vous devrez l'avoir comme ça. Puis vous mettez lacet. Je sais peut-être pas le prononcer, désolé. Alors là, reprenez tangage après pour la tourner. Après vous devez la baisser. Vous faites axe de remandation tout. Vous abaissez un petit peu. Ainsi, là, ça fait ça comme ça. Bon, je vais enlever fixé sur la grille. Simple, je l'ai mis au fond. Là, vous mettez la couleur que vous voulez. Petite fée de ma part. Là c'est. Hop. Là vous faites comme ça, un truc comme ça, mais je viens de fail. Faites comme ça, voilà. Comme ça c'est. J'avais bien dit avant. Faites comme ça, comme ci, comme ça. Tant que ça vous plaît, voilà.
Voilà. Ou sinon, il y a une autre manière, vous prenez un truc noir, vous mettez fixé sur la gueule, vous faites as de rhizomation. Ah, je dis sexy en plus. Ouais, vous avez compris. Vous devez faire as de rhizomation. Bon, vous faites hauteur, vous faites en haut, puis vous faites largeur, vous abaissez un petit peu, et là ça va vous faire une jolie petite box. Alors ça, c'est pour vraiment ceux qui connaissent vraiment bien le mode créatif comme moi et Antoine. On a tout de suite commencé à faire des maps en mode créatif, voilà, et genre comme ça je trouve que ça va meilleur. Après voilà, vous la mettez où vous voulez, mais je préfère largement comme ça, puisque ouais, bon, je préfère comme ça, vous voyez. Alors je vais pas me préoccuper de ça. Après, oui, Antoine, voilà, on peut faire comme ça, comme Antoine fait. Je laisse faire. Vous mettez un écran et tout. Puis on va se retrouver. On va se retrouver pour les caméras. Les caméras, vous jetez. Ah, ils sont où? On va pas jeter les caméras. Merde. Qu'on s'est pêché. Vous prenez. Galerie plateau de cinéma. Hein. Tout simple. Plateau de cinéma. Là, vous prenez le micro. Voilà. Il y a la caméra aussi. Mais on va commencer par le micro. Le micro. Alors, soit vous le mettez comme ça. Hop, ça comme ça. Soit vous le mettez comme ça. Et comme ça, c'est pas stylé. Ou soit vous le mettez. Ou alors, vous pouvez totalement le raccourcir. Ouais. Le mettre en lacet et le mettre. Petit derrière comme ouais, ça. Ouais, voilà, petit derrière, voilà, comme ça, tranquille. Et là, je vais mettre la caméra, alors je préfère le mettre largement là. Alors, moi, par préférence, je fais comme Antoine, mais moi, c'est pour la caméra. Comme ça, voilà. Vous pouvez rétrécir comme vous voulez. Alors, on va prendre la caméra. Excusez-moi. La caméra. Soit, là, vous posez deux caméras, une à votre PC. Qui va avoir peut-être ça dépend. Voilà. N'oubliez pas de mettre peut-être deux sièges si vous voulez, ouais, pour et faire un bon décor derrière. Bon, moi je fais comme ça, et vous mettez une deuxième caméra pour comme si vous faites des vidéos explications et tralala, tout ce tralala. Donc il y aura pour la vidéo. Pardon. Oh, c'est marrant. Pour les vidéos. Là, je préfère... Hop là. Il y aura pour les vidéos et pour les vidéos avec le fond vert. Et vous aurez pour les vidéos anecdotes et tout. Et moi, je vais déjà vous dire quelque chose. J'ai plein d'anecdotes à raconter. Et en fait, ce que je vais faire, c'est prendre un mode vidéo. Et je vais mettre un setup comme ça à la place de mon avis. J'ai pas un setup de malade, hein. J'ai même pas un setup, tu vois. Je vais mettre comme ça, vous voyez. Comme ça, il y aura le fond vert et tout à l'arrière. À la place de montrer ma tête. Bon, ici on a l'écran avec la caméra, le micro et tout. Alors, on pourrait faire plein d'autres trucs, mais on va commencer par les bases. Voilà, il a fait un petit décor là. Après, le setup peut être plus grand. Et il y a plusieurs manières de faire le setup. Soit vous le faites comme ça, soit vous le faites. Comme ça, vraiment bizarrement en mode ah merde, en mode truc. Mais ouais, vous faites comme ça, vous voyez, vous faites comme ça, c'est stylé, vous voyez. Attends, supprimer la chaise, non? Attends, je vais le faire. Comme ça, ça pourrait être stylé, vraiment. Mais on va laisser comme ça. Vous faites comme vous voulez. On supprime ça là et on va commencer avec la suite. J'ai oublié le nom de cette chose, Antoine. Je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est pour la lumière. Ah, oui, j'ai oublié son nom. Ben, j'ai oublié le nom du truc. Alors, moi, je vous conseille largement de le mettre en endroit comme ça, qui montre bien votre tête. Voilà, voilà. Après, vous prenez un grand hélico. Vous faisiez en tout petit. Donc, il donnera ceci.
Et bah, du coup, il faudra le mettre en l'air, comme ceci, Je vois pas. au-dessus de votre setup. Ne l'écoutez pas encore moi. Ne l'écoutez pas. Voilà. Donc Après, voilà, on a un aussi. petit hélico comme ça. Voilà, là on va vous montrer comment faire des petites lumières. Si vous voulez, supprime ton écho s'il te plaît Antoine. Mais c'est N'hésitez bien. pas, les gars, on atteint les 40 abonnés, 40 abonnés court-métrage avec Antoine et la team. Voilà. N'hésitez pas à aller checker ma chaîne qui sera, je pense, dans la description. Et il y aura donc, si vous regardez cette vidéo le jour même, ou Quelques jours après. je sais pas, oui, bah, si vous regardez la vidéo quelques jours après, et je suppose que oui, bah, du coup, il y a une vidéo qui sortira demain. Il y a une vidéo qui sortira la semaine encore prochaine, et ça, ce sera un court-métrage que j'ai créé avec Charles et tout ça. Bon, voilà, pour faire la lumière, vous avez vu que j'ai posé quelque chose. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre vraiment un truc qu'on voit. Or, vert, voilà. Un petit vert. Vous voyez, ça fait stylé, vraiment. On va garder setup. On va le garder. N'hésitez pas à fermer au-dessus, au moins ça Ouais. rend mieux par rapport aux couleurs. Ouais, parce qu'il y a des youtubeurs qui font comme ça. En fait, je me suis dit que ça pourrait être utile parce qu'il y a des fans de setup comme moi. Et qui aimeront se faire un setup. Bon, moi, je vais bientôt l'avoir. Hein. C'est pas tout de suite. Là, on va passer à quelque chose que je vois très rarement dans les setups et que moi-même j'ai fait. On va passer à la déco. La déco, la déco. Bon, c'est pas rarement, mais souvent au tuto, on voit pas vraiment ça. On voit pas vraiment ça, vous voyez. Alors, on va fixer sur la grille et on va faire quelque chose. Bon, là, je vais prendre ce thème-là. Vous voyez, on va faire gravité. Non. On va poser ça comme ça et à travers le mur, voilà. Et on va chercher des décos. Les décos, vous mettez n'importe quoi, hein. N'importe quoi, ouais, n'importe quoi. On va mettre une poubelle, hein. J'ai la flemme de faire mieux. C'est pas que j'ai la flemme, c'est que c'est pour y aller plus rapide. Antoine, c'est faire une entrée, s'il te plaît. Help me, please. Thank you. On va Oh, le prendre mur est bugué. une poubelle. Antoine, il a fait un petit truc stylé. Le mur était bugué, donc j'ai dû le Ok. supprimer. Ah bon, vous avez compris, on pose les objets là-dessus. Voilà, je le ferai plus tard. Alors, on va passer tout de suite au deuxième truc. Les gars, pour les je vous laisse faire. Tard, on fera un autre. Pour faire ça, c'est très simple. Vous faire un petit dessin comme ça et comme ça, c'est très simple. Tellement simple. Bleu et brun pour votre avis en...